Bonjour à tous et bienvenue pour cette suite directe du Let's Play de Rison of Rome. Donc l'épisode 6, n'importe quoi, l'épisode 4. Attendez, ouais, l'épisode 4. Nous venions de passer le mur d'Adrien. Et nous étions arrivés au nord des confins du monde, comme ils appellent ça. Où on se dirige vers le château de je ne sais plus quoi, il l'a dit à la fin de la vidéo. Entre voilà les portes de l'enfer. Il dit que c'est les portes de l'enfer. Donc on est parti. Nous allons sauver Commodus. Ils construisent ces géants d'osier pour les sacrifices importants. Il doit donc être par là. Nous attaquerons à la faveur de la nuit. J'aime pas ça. Donc. Qu'est-ce que c'est? Ok, on peut pas le casser. Donc on se dirige en terre désolée, comme vous pouvez le voir, avec des crânes, des... C'est un cerf. Juste un cerf. Comme vous pouvez le constater, les hommes ont peur. Je crois qu'on nous observe. S'ils veulent se battre, pourquoi ils ne viennent pas se battre? Allez, tais-toi. De quoi as-tu peur? On est des Romains, de la 14e. Devant. Il a disparu dans la brume. Je l'ai vu, une sorte d'animal. Un animal qui marchait sur deux jambes. Taisez-vous. Ces bêtes nous auraient déjà attaqué si elles avaient pu le faire. Non, elles sont assez sages pour craindre Rome. Ouais, ou... Pas de course. Ou ils sont en train de nous faire un guet-apens pas loin. Genre ici. Non, j'aurais bien vu un guet-apens ici. Je passe devant. Ok, on va marcher sur un pont pourri. Attendez, ouais. Non, vous êtes sérieux? Vous passez tous ensemble, les gars? Oula. Embuscade! Quittez le pont! Bon bah voilà. Ah oui, c'est eux. D'accord. Ah, ça m'énerve qu'ils font ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est quoi ça? Oh! Oh, le coup de masse! Oh, ça a été violent.
Oh. Bon bah voilà. Lève-toi, fils de Rome. Ton empire a besoin de toi. Sauve-le. Donc le retour de la femme bizarre, enfin voilà. Le retour de cette femme qui... qu'on avait vu... Je dois trouver mes hommes. Qu'on avait vu dans l'épisode 1. Eux aussi ont des pièges. Ah, oula. Il vénère. Oui, il m'a fait bobo. Esquive, esquive. Mais il meurt jamais, lui. Eh ben. Je fouille un peu, hein, je regarde. Donc soit je passe par là, soit je passe par là. On va passer par là. Ok, super. Ah, les petits salopards. Esquive. Oh non. M'en doutais. Ah là là, c'est quoi ce délire? J'ai encore un retour Windows. Désolé. Voilà. 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 Normalement, ça devrait plus le faire. Je fais un petit retour Windows. Ouais, c'est bon. Désolé. On est reparti. Donc, c'était par là. Avec les angles. Voilà. Les angles qui étaient cachés. Oh!
Et non. Oh là là, à chaque fois je me fais avoir. Voilà. Allez, on continue. Oh, ça fait mal. Bon, là c'est bon, on continue. J'ai mis un coup de bouclier de trop, fait chier. Merci, Centurion. Nous devons tous les sauver. Allez, à vos ordres. Bon, c'est parti. Ça va être chaud, mais c'est parti. Good.
Oh, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis concentré sur les trucs qui explosent. Oh non, je dois refaire ça. Que les dieux aient pitié de nous. Oh, j'ai réussi à l'arrêter. Voilà, ça fait un moins. Allez, allez, là je le fais bien parce que... Où sont les prisonniers là-haut? Oh oh. Libérez-les. J'ai vu Vitalian. Vite, ils l'ont emmené auprès du géant des yeux. Qu'est-ce que c'est? Tous en position. Oh là là. Où ils sont? Ouais, ben ils sont gentils, mais ils arrivent quand? Ah oui, d'accord. Ma faute. Alors, protéger les Romains. Rassembler les survivants romains. Alors, archer, couvrez la gauche.
couvrez la droite. Non, couvrez la gauche. Formez le testudo. Archer, en position. Où est le scorpion? Je prends le scorpion. Ok, c'était le scorpion. Ok, là c'est combat. En formation. En avant. Ce coup-ci on attaque. Allez les gars, c'est parti. Allez pour Rome. Ah, ils sont loin, dis donc. Ah, ils sont là-haut. Bouclier, bouclier. Tenez les gars, tenez. Tenez bon, les pilotes. On est en place. Maintenant. Allez. Allez, ils sont partis. Là-bas. Position. Ne lâchez pas. Bouclier. Maintenant. Allez, aidez. Au bouclier. Rapprochez-vous. Tenez bon. Allez. Tenez les gars. Tenez les pilotes. Prêt à lancer. Lancez. Oh, on est bon, Link. On est bon. Fouillez le marais. Nos frères comptent sur nous. Suivez-moi. Les salauds. Ah, je peux...
Mais non, non, c'est pas lui. C'est lui. Putain. Fait quoi? Ouais, mais je peux pas être sur tous les fronts en même temps, les gars. Vous êtes marrants. Oh là là. Non, pas lui, lui là. Oh putain, je vois rien avec le feu, c'est horrible. Putain, c'est lui qu'il faut que je crève en premier là. Voilà. Ah ok, c'est chacun son tour. Oh, putain, avance. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Oh là là, il a cramé déjà un truc. Putain.
Ah, je suis dégoûté. Normalement, je crois qu'il y a un succès si on arrive à les tuer, à la sauver tous les soldats, sans qu'il n'y ait aucun qui brûle. Oh là là, là. Je suis déçu. Alors je m'enfonce, mais j'espère que c'est par là. Formez une ligne. Gardez la porte. Je vais chercher Vitalion. Oh là. Le Minotaur ? Ok, ça sent le boss. Ah oui, c'est lui. Dreadlock. Ok, ça lui a rien fait, super. Bordel de... Ah ok, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait un coup de trop. Oh, ça fait mal. C'est bon. Bien joué, Butters. Oh.
Soldats! Prenez le bélier! Détruisez le géant d'osier! Allez les gars! N'est pas planté là, espèce de bon à rien! Faites-moi sortir! Faites-moi sortir immédiatement! Je suppose qu'il s'agit de notre noble chef, le général Commodus. Oui, le fils de l'empereur. Faites-moi sortir, bande d'abrutis! C'est un ordre! C'est ta victoire. À toi l'honneur, centurion. À vos ordres. Dépêche! Viens là, espèce de crétin! Donne-moi ta cape! Donne-moi ta cape! Nous marchâmes sur York. Commodus était sauf. Et Oswald prêt à accepter la paix. Je priais les dieux pour que cet insupportable bain de sang cesse enfin, et que mes hommes et moi puissions enfin regagner Rome. Je commençais à comprendre pourquoi le commandant Vitalion mettait en doute le bien fondé de cette campagne. Combien de soldats étaient morts pour cette soi-disant victoire? Pour ma part, j'avais fait couler bien assez de sang. Gouverneur, j'amène devant vous Oswald, le roi des Bretons. Il a renoncé à la rébellion. Il accepte l'autorité de Rome, et désormais, il se battra pour maintenir la paix entre nos deux peuples. Seigneur Commodus, je demande simplement que mon peuple soit traité justement. En toute équité. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Le traité de paix de Rome. La paix de l'empereur. La volonté de l'empereur! Que le roi pose son sceau sur ce parchemin, et nous pourrons tous quitter cette île maudite. Votre empereur, mon père, est vraiment sage et juste. Voici le sceau de l'empereur. Il représente sa volonté et la puissance de Rome. Viens.
Embrasse-moi. Roi Oswald, voilà ta paix. Non ! Comment oses-tu ? Espèce de chien galeux ! De quel droit ? Tu vois ? Tu vois ce qui se passe quand on me défie ? Personne ne me défie ! De l'empereur, sa volonté est faite. Ce ne sont pas les barbares qui ont tué mon père. C'est l'empereur. Sauve Rome, Marius. Allez, à genoux, chien. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai dit à genoux. Ce n'est pas le moment, Boudicca. Cours. Mon père est un dieu. Je suis un dieu. Obéissez-moi comme vous obéissez aux dieux. Pleine tête. Boum. Conduisez-nous au bord. Vitalion. Je t'ordonne d'écraser ces chiens de rebelles. Et surtout, n'épargne personne. Vous allez le payer très cher. Nous tuerons chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Et nous cracherons sur vos tombes. Renforcez les murs. Repoussez-les. Vite. Fermez les portes. Il ne faut surtout pas que leurs troupes entrent, compris ? Je vais rester ici. Occupez-vous des murs. Marius, nous devons gagner du temps. Tu dois empêcher l'ennemi d'entrer le plus longtemps possible. Nous devons emmener tous les civils au port. Arrange-toi comme tu peux. Je te rejoindrai au palais de justice. Allez ! Alors, on va faire une coupure ici. Alors, mon père est un dieu, je suis un dieu. Non, mais il se prend pour qui lui? J'ai qu'une envie, c'est de lui, c'est de lui planter ma lame. Bon. Alors après avoir sauvé tout le monde, machin. Ramener ce con ici. Bah, il nous fout la merde. Donc bah merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Les prochains épisodes seront pareils, hein, mouvementés. Donc je vous dis à la prochaine et à